Shutterstock Music. Dans Infinity Designer, vous pouvez combiner des objets vectoriels pour créer des formes de façon différente. Les tracés ou formes obtenues varient selon la méthode de composition d'objets utilisés. Je tiens à vous préciser que je vais utiliser des formes basiques, puissiez comprendre le fonctionnement du Pathfinder et sa puissance. Voici l'aperçu que je vais vous dévoiler la puissance du Pathfinder. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Nous voici sur un document avec plusieurs formes identiques, avec deux couleurs différentes. Nous allons entrer dans le sujet concernant le Pathfinder, l'Infinity Designer. Donc si je sélectionne les deux éléments comme ceci, je les superpose sur l'un à l'autre, je sélectionne les deux éléments et je clique sur additionner, d'accord, sur ajouter. Alors quand ça va s'ajouter, la couleur qui est derrière, ça vient le rouge en premier plan, et qui est derrière le carré violet, il va prendre en compte tout que je vais additionner. Je clique dessus, vous voyez, ça a pris la forme violette plus la forme rouge et ça a additionné. Pourquoi? Tout simplement parce que la couleur, c'est la première couleur qui se trouve derrière la couleur violette. Maintenant, si je prends ce violet ici, alors je prends ce rouge par exemple, voilà, je la mets tout en haut. Maintenant le violet est derrière, je sélectionne les deux, je fais additionner, c'est le violet qui va prendre en compte. Voilà. Maintenant les suivants, ici, je superpose l'un à l'autre, je sélectionne les deux les éléments, et je clique, alors, voilà, je clique ici, sur soustraire. Alors, regardez bien, je vais zoomer pour vous, que vous pouvez bien voir. Voilà. Ici, vous avez une petite ligne bleue, d'accord, sur le côté gauche de la forme violette. Si je fais soustraire, elle va être rongée. Comme vous pouvez voir ici, avec les poignées qui est ici, toute cette partie-là, la partie blanche que vous voyez ici à l'écran, elle a disparu. Elle a été rongée. Si je fais ici comme ceci, par exemple, je sélectionne les deux, je soustrais, et ici, ça mange à l'intérieur. D'accord? Ça fait la forme de C, qui est vraiment pas mal. Je prends les deux couleurs ici. Voilà. Je sélectionne les deux éléments, et je fais ici sur intersection. Voilà, la couleur violette a disparu. Et bien sûr, ça a rongé la forme rouge. Parce qu'au départ, la forme rouge, comme vous pouvez constater, elle est comme ceci. Mais comme elle a été diminuée, vous voyez, ici, voilà, ça a diminué. Alors, je prends les deux formes comme ceci, je superpose, voilà. Et cette fois, je fais XOR. XOR, qu'est-ce que c'est? Alors, XOR, alors je vais agrandir celui-ci, par exemple, je mets au milieu, et je mets comme ceci, par exemple. Voilà. Voici ce qui va faire XOR. Si je sélectionne les deux éléments comme ceci, je fais XOR, ça va ronger à l'intérieur. Comme vous pouvez constater, ici, il y a une petite forme de carré bleu qui se trouve au milieu. Il n'est pas vraiment au milieu, mais par rapport à ce que vous voyez à l'écran, il va être rongé à l'intérieur. Ce qui est vraiment pas mal. Alors, je vais agrandir celui-ci. Voilà. Là, je vais mettre comme ceci, c'est bon. Alors, je sélectionne les deux éléments et je fais cette fois-ci diviser. Alors, notez bien que quand il va diviser les deux formes, le rouge et le violet. Voilà, il a été divisé. Alors, qu'est-ce qui a été divisé?
Vous voyez, il y a une petite lune blanche qui apparaît sur l'écran. Je vais zoomer pour vous que vous puissiez bien voir. Qu'est-ce qu'il a divisé? Ceci. Ceci. Ah, pardon, excusez-moi. Et ceci. D'accord? Il a divisé les deux formes, mais il a divisé tout ce qui passe à l'extérieur et à l'intérieur. Je m'explique. Si je fais une autre forme comme ceci, voilà, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un petit carré bleu ici à l'écran, d'accord, et qui est divisé avec celui du haut, du bas et du côté, de chaque côté. D'accord? C'est ce qui va être divisé. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est sélectionné, va être divisé. Hop! Allez. Je pense que maintenant vous avez compris. Donc, ça, ce qui est vraiment très intéressant, et voilà, ça vous permet d'être plus créatif quand vous faites des divisions comme ça. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Voilà, nous avons fait tout le tour. Et oui, il n'y a que ça. C'est les seules possibilités que vous pouvez faire avec Affinity Designer. Et amusez-vous, franchement, à tester avec des formes que vous avez besoin. Alors, c'est une forme basique, hein. Là, c'est juste les formes de base pour que vous puissiez comprendre le Pathfinder. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis je vous dis à la prochaine.